不会黄了吧？ Vous avez marché jusqu'à la maison. Pourquoi ? Non, c'est parce que depuis quelques semaines déjà, il y a des forces de sécurité qui viennent chez moi dès jeudi à 6h du matin. Quel que soit là où je vais, me suivre. Et bon, comme je suis professeur, je suis parti à l'université pour mes activités professionnelles. Et les étudiants ont constaté cela et ils ont été choqués. C'est pour ça qu'ils me sentaient un peu en insécurité. Donc, accompagné jusqu'à chez moi. Ils vous ont encore suivi ce matin ? Oui, tous les jeudis, vendredis, depuis 3 semaines, systématiquement. Et si vous, vous allez autour ? Là où je vais, monsieur. Et ils sont en uniforme ? Non, ils sont évidemment, ils sont en civil. Vous les avez remarqués encore aujourd'hui ? Bien sûr, ils m'ont suivi jusqu'au campus. Comment les étudiants ont suivi ? Ah, les étudiants voient, certains d'entre eux ont constaté cette présence régulière de ce véhicule. Chaque fois que je passe les jeudis, vendredis, ils sont derrière moi. Vous avez marché depuis le campus jusqu'ici ? Oui. Votre sentiment ? Non, ça va, ça fait du bien. Mais c'est pour montrer quand même aux gens qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales.
normal. Et de deux, les agents de sécurité en armes sur le campus, c'est très dangereux pour les jeunes et c'est très dangereux pour le pays. Peut-on dire que la marque du frac est délogée? De Kodiadi, campus, à la maison? Non, on n'y a pas pensé. Hein. C'est quelque chose qui a été spontané, ça n'a pas été préparé. Mais chaque fois, si j'ai des obligations universitaires, je vais me rendre au campus. Et si ça va se transformer en marche, ça va se transformer en marche. Les étudiants vous soutiennent aujourd'hui, et nombreux d'ailleurs, ça dit qu'ils se mêlent dans la danse. Ah, ça, c'est à vous de leur demander. En fait, comme nous disons, ce que le FRAC fait, ce n'est pas en principe, ce n'est pas le FRAC, c'est pour les jeunes, c'est pour la population. Donc, je crois qu'ils vont dire leurs sentiments vis-à-vis de ce qui se passe. Si vous avez un message? Un message, c'est que la population togolaise doit savoir que le pouvoir abuse et se comporte comme pas des temps très passés. Donc on ne peut pas, ça ne peut pas continuer ainsi. Je crois que ça suffit. Et ils doivent éviter que ça se passe. Et de deux, les étudiants doivent aussi. Le campus est un endroit qui doit être vide. En tout cas, les militaires ne doivent pas venir sur notre campus. Ça aussi, ce serait pas normal. Il y a la franchise universitaire. Ce n'est pas bon pour les autorités militaires de laisser les gens, les forces armées, les agents de sécurité venir sur le campus comme marché. Ce n'est pas normal. Je crois que la population doit comprendre en fait qu'elle doit se Vous avez constaté ça. Il y a deux semaines, mais c'est aujourd'hui qu'il y a eu de l'ampleur et puis on est sorti pour le soutenir notre intérêt. Trop, c'est trop! Et puis les seules personnes qu'on a, on ne peut pas se permettre au vol, soit des politiciens, pour les arrêter pour nous. Ça, on ne peut pas tolérer. On est toujours derrière lui. On sera toujours derrière lui. On sera toujours derrière lui. On ne peut pas faire la politique. Vous avez mobilisé spontanément. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça dit que dans les jours à venir, vous allez encore mener le... Dans les jours à venir, on le répète. Ils sont fous. On est derrière lui. Merci beaucoup. On vous en prie.